Bonjour, je suis donc le sergent-chef Renaud Thierry. Je suis en service de formation. Je m'occupe donc de la formation des sapeurs-pompiers. Cette semaine, on a fait la formation de chef d'agrès VSAV avec la participation des différents établissements de la commune de Saint-Mathieu qui ont été vraiment très formidables pour jouer le jeu sur nos mises en situation professionnelle. Voilà. Et le retour des stagiaires est très positif parce qu'ils ont vraiment vécu le stage au plus près de la réalité. Et c'est ce qu'on attendait. Donc pour nous, on a été notre objectif. Alors c'est une formation qui est très lourde à gérer. On avait donc pour 11 stagiaires, on avait 3 formateurs, 2 assistants qui mettaient les mises en situation et beaucoup de manœuvrants, des manœuvrants civils, des manœuvrants pompiers, qui étaient basés sur le bénévolat. Et sans eux, la formation ne pouvait pas avoir lieu, quoi. La durée allait de 24 heures, 3 fois 8 heures. Bien souvent, les horaires sont dépassés parce que le stagiaire est acteur de sa formation. Donc, du coup, eh bien, il ne voit pas le temps passer et on déborde. Ils peuvent après tenir l'emploi de chef d'agrès, ça veut dire qu'il y a un rôle quand même important au niveau responsabilité, quoi. Ils sont basés sur du secours à personne. Donc, on les forme au plus près de la réalité. Et comme ça, à sortir cette formation, ils peuvent déjà prétendre à tenir l'emploi. Après, c'est le temps et l'expérience qui feront qu'ils seront compétents. Et vraiment, on a la police municipale que je remercie. On a eu tout ce qui est partenaire mairie et la déchetterie, en fait, tout ça. Toutes ces personnes ont participé de près et de loin à ce stage. Un grand merci aux pompiers de Saint-Mathieu, au chef de centre qui est un facilitateur dans toutes mes actions de formation que je fais sur Saint-Mathieu.